Hop là, créer une mission, ça par contre, ouais. Ok. Wow. Allons voir ce côté. Pourquoi est-ce qu'on rameute autant des squats pour un seul entre eux? À cause de ce qui s'est passé à l'école et à la station. C'est Emma! Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, elle est morte! On a de la vie. Je veux qu'on retourne toute la zone. Il est là! C'est dans ses prisons! À l'intérieur, allez! What? Ils l'ont trouvé. On va le... Il y a eu un bruit. Mila, va patrouiller. Oh putain, qui fait ça? Ah, attends, j'ai essayé un truc là, mais comme j'ai rien vu, c'était nul. C'était nul. Ouais, alors vas-y, dites-moi, c'est mal. Ah, la mort avec le chien qui bouffe la tête, c'est vénère. Terrible. Ah, attendez. J'ai encore combien de... Ok. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi ça l'a pas touché la deuxième flèche par contre? Et la distance, ouais, ok. J'ai peut-être pas dû assez bander l'arc, effectivement. Ok. Ouais, le rayon d'écoute, c'est vraiment pratique, par contre, hein, de l'améliorer. Hein. Bonjour. Chanté, Ellie. Y'a du connard encore ou pas? Pas l'impression. Merde, mauvais bouton. Ok. Ok. Bon, y'a pas grand chose, je m'attends à plus de loot. On peut récupérer les flèches qu'on tire en théorie, oui. Ça dépend, parfois elles se pètent, tu vois, ça dépend des moments. Je sais pas si elles ont plusieurs utilisations. Mais là, tu vois, pour le coup, je les ai pas. Pourtant, tu vois, on voit la flèche, parce que on voit la flèche, tu vas aller péter, je crois. Ça dépend vraiment. Est-ce qu'on peut la récupérer une fois? Est-ce que ça a un coup de chance? Il y a un pourcentage de chance que ça pète et tout? Je sais pas du tout. Je ne saurais te dire quoi du comment. D'accord, donc si je tire dans la tête, en fait, on récupère la flèche, c'est ça? Et si je tire dans le buffet, enfin dans le corps, elle se pète. C'est un peu l'idée? D'accord, bah merci l'info, je ne savais pas. Merci Enzam. Non, rien. C'est quoi ce bordel? Mais c'est un truc. On a qu'à choper un vivant pour l'interroger. Pas question. Faut pas prendre de risque. Juste là. Tu crois que ça venait de là? Thank you.
Je suis en normal, moi, je suis en difficulté pépère. Je suis en difficulté, je tente de tirer correctement au pad. Est-ce que peut y avoir ça comme niveau de difficulté? J'ai un pad entre les mains, je ne suis pas très doué. Mon côté boomer ressort, je fais ce que je peux. Ça sera un bon niveau de difficulté, ça. Bonne dénomination, voilà ce que je cherchais, une dénomination de difficulté. Pas d'autre loot. Difficulté, I do what I can. Remplacer Easy par vous. Je suis pas en facile, attends quand même. Bon, y a, non, pas qu'il y a de honte à ça. Hein. Mais ouais. Après, par contre, pour le coup, moi j'aime bien jouer à la manette. Wow, attends. Putain, il parle de Tommy là. Il. Elle parle pas de nous là, il parle de Tommy. Hard Paragium. Un cliché ça. Ça dépend, c'est pas un RTS. Nos amis coréens ou autres sont surtout très doués pour tout ce qui est RTS. Et ce qu'il faut de la PM quoi. Faut réfléchir plus vite. Hein. Puisqu'on est un peu con nos occidentaux. Réflexe, je suis désolé. Oh, je l'ai éclaté lui. Ouf. On en tue vraiment beaucoup quand même des petits chiens là. Bordel. Ouh, mon Dieu. De hache dans la gueule, un coup de marteau. Les morsures de chien peuvent s'avérer fatales, esquivez-les. Gardez vos distances. Enfumez-leur ! Allez. John ! Espèce de salope ! Putain, esquive ! Allez. Allez. Et toi. Merci bien. Un coup de batte dans les côtes, ça l'a piqué. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on lui en veuille à ce point? Bah, elle a tué toute leur équipe. On bute tout le monde depuis tout à l'heure parce qu'on essaie de retrouver Tommy. Oh putain, une hache. Ça y est, j'ai ma hachette. Ok. Maintenant que j'ai la hache, je vais pouvoir la garder et la customiser. C'est bon, j'attendais que ça. On a la hache, les gens, on va être inarrêtable. Pour avoir relevé le challenge, merci pour le contenu. Tiens, en parlant de la donation, Folafunk, t'es toujours là ou pas? Attends, Folafunk. Ah, il est parti, bon, dommage. Parce qu'il m'a donné 5€ aussi tout à l'heure, j'ai un peu pu le remercier pendant le boost. Merci encore à toi et merci également donc, à Shiny Ketchup pour les 5€. C'est quand même très gentil à toi. Merci beaucoup, mec. Dans la vie, la vraie vie, le coup de batte. Non, par contre, un coup de batte dans le bide, et là j'ai déjà dû en prendre un, c'est une longue histoire, mais c'est pas fatal. Ça dépend la force mise, ça dépend comment c'est mis, ça dépend si tu touches les côtes ou pas. Moi je l'ai pris, ça m'a en plein dans le bidou. Non, ça. C'était pas un coup très fort, tu vois, mais. Quand même. Un intrus ici! Non, c'est pas fatal. Dans la tête, ça c'est encore autre chose. Mais dans la. C'est un accident, hein, je précise. Hein. J'ai pris un coup de batte en Australie en faisant du baseball, mais. Je précise. Mais rien d'extraordinaire hein, comme histoire, mais c'est pas. Ça, c'est même pas une histoire. Hein. Baseball, j'ai pris un coup. Oui, Lucille, c'est encore autre chose. Allez, le laissez pas s'enfuir. Ah
Ah ouais, enfin faut y aller. C'est quand même costaud des côtes, hein. Vous rendez pas compte de la force qu'il faut appliquer, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. On n'est pas si fragile que ça, les humains. C'est tout le paradoxe des humains, on est à la fois très fragile et... Lucille, c'est Walking Dead, Toshiro. C'est la batte de baseball de Negan. Un méchant, un antagoniste de Walking Dead. C'est Tommy, c'est Tommy. C'est Tommy, détends-toi, c'est Tommy. Ah non, c'est JC? Mais non! Si j'allais vous laisser partir seul. What? Qu'est-ce qu'il fout? Où est Dina? Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Oh putain, ils sont nombreux. Ah, je me suis fait avoir complet, hein. C'est JC qui les massacre depuis le début? Enfin, pas en mode Scars, hein, mais qui les... Ça va, tu tiens le coup? Ça va aller. Putain, ils rigolent. Ils sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Ils rigolent zéro, Jesse. Hein. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Okay. Je vous disais que les viewers qu'on me parlait beaucoup de Days Gone. T'es prête? Ouais. J'ai déjà essayé Days Gone. Et ça continue, je vais vraiment le faire en live. Qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. J'ai du mouvement. Celui de gauche. Allez, on va voir. Je te couvre. Attends, il a dit. Attends, il a dit quoi? Elle a dit je prends celui de gauche, ok. Putain, je suis nul à chier. Oh non, mais je suis nul! C'est compris! Catastrophe! J'arrive pas à viser là! Putain! Réveille-toi! C'est ça, Jesse, il va tuer tout le monde! Ah mais connasse! J'ai été nul de chez nul. Non. Ah c'est lui, putain. Attendez, deux secondes. Ok, on monte, on s'en ira après. Je sais pas viser moi. Putain, je sais pas viser. Oh là là, ils sont vénères là. Allez, vas-y. Du pur Uncharted, complètement. Complètement, Enza. J'ai pas réussi une balle, putain.
Ils ont pas mis leur ceinture de toute façon, ça va. Mais pour que ça aille de mal en pis comme ça, c'est clairement du pur Uncharted ça. Ah c'était chaud de viser, ça tremblait dans tous les sens. J'ai bien foiré le début pour le coup. Après on les a bien mis dans la merde avec la horde d'infectés qui est arrivée. Ça va? Ah je suis au top. Ouais je suis au top. Je crois qu'on est bon. Allez, viens. Ta gueule c'est magique. Ah c'est bien. Des GCM. Point d'exclamation saga, ils ont été proposés, hein, les Uncharted. Peut-être qu'un jour on les verra, peut-être pas. On verra bien. Non, je te parle pour le coup. Ta gueule, c'est magique. C'est ce que je te dis. Dina. J'espère qu'elle est vivante, Dina. Hein. Ah, c'est bon. Salut. Et donc, on est d'accord que c'est Jesse le père de son bébé, hein. Parce que logiquement, Dina, c'est l'ex de Jesse, hein, ce qu'il disait au début du jeu. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose. Ça va pas du tout être étrange. Bonjour. Voici un joli trio. Doucement. Et sachant que donc Dina était avec Jesse, Jesse était avec Dina. Ensuite, il a été avec. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il est pas au courant. Ensuite, il a été avec Ellie. Non, c'est seulement des mots de vente. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Non, ferme-la. Et là, elle va se sentir en trop. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous, la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Ah bon? Et au début, ils disent pas que c'est une semaine, à peine quelques jours après la rupture. Ah non, autant pour moi. Ils disaient la rupture avec Dina, Jesse, au début du jeu. J'ai confondu, autant pour moi. Quand il parlait de la rupture, c'était entre Jesse et Dina, yes. Tout va bien? Oh. Ouais, ça va. Ok, ouais, j'ai mal compris là-dessus. Franchement. Ok. Oh là là. C'est waouh. Il est 16h30. Je passe pas en pause, hein, mais je vais me préparer mon petit goûter. Mes petites crêpes. C'est rapide, hein, ça me prend 2 minutes, même pas. Voulez-vous croire que c'est de sauvegarder? Oui. Boudé pour si peu. Ok. Et bah écoute, des bisous à toi, Nae. Bonne fin d'après-midi. C'est vrai, quoi. J'oublierai mon propre anniversaire si elle était pas là pour me le rappeler. Oui, mais c'est Bungie, Hello Fine. J'ai juste ça tombe bien. Il suit rien, bon, fait. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? C'est passé 343 industries à la fin, après Rich. Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Donc là, c'était il y a 2 ans. Ellie a maintenant 16 ans. Il en reste là-bas. Ça commence à être une adolescente casse-couille. Combien? Pas beaucoup. Et c'est absolument magnifique. What? What? Il est où? Mais sur quoi il tire, Jean-Michel? Tu veux tenter ta chance? Mais il est où, Jean-Claude? Ah mais putain. Moi je me suis barré. Non, pour le coup, Cam7, c'est là que tu te trompes. Ce que t'arrives pas à comprendre, c'est que t'as les gens qui veulent justement utiliser ce plug and play. Tu vas me dire, oui, mais moi je branche mon PC à ma télé, ça marche très bien aussi, tant mieux pour toi. T'as des personnes qui veulent juste t'appuies sur le bouton de manette, tu joues. Fin de l'histoire. C'est vraiment le plug and play, tu te poses sur ton canapé, tranquille et tout. Sans aucune interface PC, sans taper un Windows, sans taper une mise à jour ou quoi que ce soit. Il faut juste l'accepter. C'est pas un débat, c'est un fait, car il faut juste l'accepter et passer à autre chose, quoi. C'est pas juste pour ça, c'est justement pour toute l'expérience joueur en mode posé plug and play. Le rouge. Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire sortir de leur cachette.
Vise plus haut. Mais... La balle a le temps de redescendre. Ah oui, d'accord. Ok, ça y est, je viens de le voir. Pense bien à corriger la trajectoire de la balle. Putain, trop. Et voilà. Putain. Le bruit les attire. On est en patrouille, oui ou non? Wouh! Ah putain, il s'est arrêté. Merde. Oh, la jambe, ça lui a arraché. Bon boulot. Reste deux. Putain, presque. Allez. Mange ça. Il me plaît bien, ce fusil. Ah putain, je pensais qu'il allait continuer à courir. Prends ton temps. C'est bon, y en a plus. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ok. Que tu peux tester, Cassiel, c'est 1€ le premier mois. D'où est-ce qu'ils sortent? Oui, mais ils ont pas envie justement d'avoir un PC. Est-ce qu'il faudra... Tu vois, un PC, faut le mettre à jour et tout, c'est rien d'automatique. Regarde, tu regardes Natamaniac par exemple, elle est toujours en train de galérer avec ses mises à jour. Migration, ouais. Comment ça? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, non, en fait, j'en sais foutre rien. Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi? Ah, un animal mort. Regarde près du pick-up, là. Ils sont en train de bouffer le cerf. Ils doivent avoir faim. Il y a un cerf près du pick-up? Attendez, je vois le pick-up. Où est le cerf en question? Bon. Il y en a encore deux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Nickel. Oh. Ah putain, d'accord. Bon, lui il bouge pas. On va essayer le headshot. Oh, j'ai réussi. Yes. Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Ah, mais aujourd'hui, la meilleure manière de jouer en haute qualité à un jeu, c'est effectivement une console. Regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour, tu vois. C'est que aujourd'hui, pour vous donner un peu une idée, et ensuite on se concentre sur le jeu. Tu prends une console, 500€. Tu prends une bonne télé 4K, 500 balles, t'en as pour 1000€. Et par exemple, juste sans rien acheter d'autre, hein, avec le PS Plus par exemple ou autre, bah pour 1000€, tu as accès à une vingtaine de jeux en 4K, 60 FPS. Il n'y a aucun moyen... Non, la manette, elle est comprise dedans. Les jeux, tu peux en avoir justement aussi. Donc non, Kamsat, c'est faux. Je viens de démonter justement ton argumentation. Rien qu'avec ça, avec aujourd'hui, c'est là que tu n'arrives pas à comprendre. Les consoles, c'est des offres maintenant, Kamsat. Le pass, maintenant, fait partie de la console. Le PS Plus, fait maintenant partie de la console. La manette, elle est incluse dans la console. Pour un joueur qui veut jouer pépère, solo, qui avec sa gonzesse, on va faire un cliché, mais qui avec sa gonzesse, qui a pas forcément envie de jouer, ou il y a la gonzesse et il y a son mec qui a pas envie de jouer, bon, femme. 4K, non, c'est maintenant 4K 60 pour le coup. Non, ça c'est du... Ça va trop choupi, par contre, c'est l'info de chat, ça. Non, la majorité des jeux sont en... Les jeux PS5 hein, sont en 4K 60. Et les games boostés sont également en 4K 60. Même 4K 120, même. Et j'ai la liste, hein, pour le coup. La TV, tu l'auras de base. Ou la TV, effectivement, généralement, les gens qui achètent ça l'ont effectivement déjà de base, comme le dit Nat. Parce que c'est les gens qui sont déjà en train de mater la télé, qui ont maté... C'est les clichés, mais qui ont maté le foot à la télé, qui ont maté des merdes de tout à la télé, donc ils l'ont en plus déjà de base. C'est pas forcément... C'est du gamer du dimanche, tu vois, c'est du gamer occasionnel. Mais non, trop choupi, hein, que ce soit PS5 ou Xbox Series X, si un jeu sort, il est forcément en 4K et 60 FPS. Ou une résolution un peu une résolution variable, mais en 60 FPS. Et merci beaucoup pour le follow. Tac. Bon, j'arrive pas à le voir ici. Polo, bienvenue à toi. Oui, mais la trilogie, une scène trilogie, c'est un jeu PS4 pour le coup, Oxard. Par exemple, hein, pour reprendre l'exemple de la trilogie. Et voilà, comme ça. Et au final, tu vois, pour 1000 balles, tu peux jouer en 4K, 60 et de ultra bonne qualité. Et ça reste, il n'y a aucun PC. 1000 balles, un PC qui peut faire du 4K, 60, tu peux. C'est dur à faire, mais ça se fait. Avec des graphismes, tu vas faire les conversions graphiques, etc. Ça se fait avec de l'occasion et autres. Tu peux trouver des trucs, on est bien d'accord. Mais il faut rajouter l'écran, les jeux, etc. Après, pareil, tu as les passes. On oublie les passes.
Très bien, par contre, il faut quand même le clavier souris, il n'y a pas le choix, tu vois, c'est pas inclus avec la HLBC. Donc ça commence à être dur. Non, non, c'est actuellement la meilleure manière de jouer en rapport qualité-prix. Voilà.